commencer, bonjour à tout le monde, bonjour à l'Église du Seigneur, corps de Christ. Bonjour à tous mes frères, bonjour mes frères dans le Seigneur. De partout où vous êtes, de partout dans le monde, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, particulièrement en Afrique, et partout dans le monde, peu importe votre race, peu importe la peau, la couleur de la peau, vous tous, vous êtes tous nos frères, mes frères dans le Seigneur. Ce matin, je vais juste partager quelque chose avec vous de la part du Seigneur. Cher Saint-Esprit, est-ce que tu puisses parler encore? Révèle encore ce que tu as parlé. Révèle encore que le diable n'en profite rien. En nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que ce matin que le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu fais? Que ce matin, le Seigneur soit avec toi, que le Saint-Esprit illumine tes chemins, illumine ton parcours partout où tu es, dans ton travail. Laisse que ce message puisse t'apporter quelque chose. Fais un effort, même 5 minutes, d'écouter ce que nous allons parler de la part de Dieu, car c'est une révélation. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des choses que l'œil n'a point vu, qui ne sont point montées même dans le cœur de l'homme. Donc, Dieu nous fait grâce, pas par sa grâce, par sa volonté, nous fait grâce de voir des choses que peut-être on ne s'attend pas à voir ça. Je suis né d'une famille chrétienne, je m'appelle Immortel Kanik, je suis un artiste, musicien et prédicateur de l'Évangile. Donc je suis un évangéliste de la parole de Dieu. Je suis né dans une famille chrétienne, toute ma famille, nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens et ma mère, je suis orphelin de père, mon père est déjà mort, j'étais tout petit. Et depuis mon enfance, j'ai toujours eu l'habitude de voir des choses et qui me font peur de parler. Donc j'ai peur de parler et je ne sais pas comment parler. Mais le Seigneur continue à insister autour de ces choses, ces grandes révélations, cette vision. Et continue à me faire voir des choses. Presque toute ma famille a ce don de prophétie, de prêcher, ma mère y compris ma mère, dans des visions, dans des prophéties et tout ça là. Depuis l'enfance, je n'ai jamais eu l'habitude, j'ai toujours refusé de prêcher la parole et de dire non, en aucun jour, en aucune fois je penserai prêcher. Donc c'est quelque chose que j'ai jamais aimé parce que j'aime la musique, je fais la musique depuis tout petit, j'aime vraiment ma musique, j'aime être un adorateur. Et avant, je ne comprenais pas d'abord l'adoration, c'était quoi? Pour moi, l'adoration, c'était juste chanter, adorer le Seigneur. Mais après, en grandissant dans la parole, j'ai compris que l'adoration, c'était vraiment plus que chanter, d'ailleurs. C'était plus que tout, c'est plus que la musique, donc c'était loin de la musique. Donc c'était vraiment une profondeur, la profondeur de choses, à un niveau que beaucoup ne comprennent pas. Alors ce matin, je viens partager avec vous un message de la part du Seigneur. Ce matin, je viens parler de quelque chose. Moi-même, j'ai peur. J'ai trop peur de parler. Car ça fait trop peur. Ça fait trop peur. Voilà pourquoi on demande toujours au Saint-Esprit de nous aider. Cher Saint-Esprit, aide-moi à parler et à révéler ce que tu nous as dit. Comme la Bible le dit dans le livre de Jérémie. Invoque-moi, je te répondrai, je te ferai voir des choses que l'œil n'a point vu. Laisse-moi vous dire les choses que Jean a vues pour écrire le livre de ce grand livre de révélation, l'Apocalypse. Il n'avait jamais voulu ça. Mais Dieu, par sa volonté, nous fait voir des choses. Il a fait voir. L'Esprit du Seigneur a amené Jean à voir des choses. De la même façon que l'Esprit de Dieu a amené Daniel pour voir des choses, a amené Ézéchiel. Il y a des prophètes qui ont vu des choses. Ésaïe, il y a plein de prophètes dans la Bible qui ont vu des choses de la part de Dieu. Et ces choses se sont accomplies avec les temps. Et le même Dieu, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Et éternellement, il n'a pas changé. Ça veut dire le même Dieu qui a continué à faire voir les prophètes de l'Ancien Testament des choses. Il a fait voir encore les apôtres, les gens, l'apôtre Jean, il les a fait voir des choses. C'est le même Dieu qui continue à se révéler jusqu'à 7 ans, à susciter des gens pour révéler ses mystères, toujours maintenir à la page l'Église de Dieu.
avec de grandes révélations, avec de grandes choses. J'en profite pour dire à tous ces gens-là qui aiment critiquer, qui aiment parler, ça ne vaut pas la peine parce que ces choses ne viennent pas de nous, c'est l'Esprit de Dieu et c'est Dieu qui nous permet de le voir. Je vais parler rapidement de quelque chose que Dieu m'a fait voir plus de 7 fois. Donc, si je veux parler de 7 fois, 7 fois c'est la foi. Ce sont 2 fois où je vis avec précision et qui ont vraiment marqué mon cœur et touché mon cœur. Donc, j'ai vu des choses qui font trop peur. Je vis l'enlèvement. Le Seigneur m'a fait grâce de voir l'enlèvement et me montrer comment ça se passait. On va parler de l'enlèvement. Et je vais parler de cette grande vision. Je vais résumer, mais je vais parler de la dernière vision que j'ai vue. Et ça s'est passé aujourd'hui. Voilà pourquoi je me suis réveillé avec peur pour parler de ces choses que l'Esprit du Seigneur nous aide. J'étais dans ma vision, la première fois que j'ai vu ça. La première fois que j'ai vu, je vais parler à l'Église du Seigneur. Donc, au moment où je parle, l'Esprit de Dieu, je sens la présence de Dieu à mes côtés. Je peux sentir cet homme de l'Esprit à mes côtés. Je peux le sentir. Est-ce que cet esprit que je sens sur ma peau, dans mon cœur, puisse communiquer avec toute personne qui m'écoute? La première fois que je parlais juste de 3, le 4 reste. Et sûr que Dieu va nous donner l'opportunité de voir les choses en face. De nous voir en face, on va parler parce qu'on aura le temps de partager. La première fois, il y a une fois où je veux. Je voyais une porte ouverte. Il y avait une porte qui s'est ouverte dans le ciel. La porte s'est ouverte dans le ciel. Donc, comme une fenêtre, quoi. C'était comme une fenêtre. Et j'écoutais une voix, un ange qui criait. L'air est venu. Vous pouvez monter. Et je voyais les âmes monter. Et tout le monde montait. Il y avait les gens qui montaient. Mais la chose la plus étonnante, Seigneur, la chose la plus étonnante que j'avais vue, c'était que ceux qui montaient étaient peu, n'étaient pas un grand nombre de gens. Il y avait quelques gens qui montaient, mais partout, il y avait, sur la terre, il y avait l'obscurité partout. Et il y avait une grande foule de gens qui dansaient, qui buvaient, qui faisaient toutes sortes de fêtes. Tout le monde était en fête, tout le monde. Donc, les gens buvaient de ce côté, les gens pas. Donc, il y avait l'ambiance partout et personne n'arrivait à voir ce qui s'est passé. Et la petite fenêtre qui s'était ouverte, je voyais la fenêtre s'est ouverte et la fenêtre s'est refermée. Petit à petit, la fenêtre s'est refermée. Alors, moi, de mon côté, là où j'étais très dérangé. Je m'inquiétais pour. Parce que je suis quelqu'un qui je suis vraiment très préoccupé de ma famille. Donc, je suis vraiment du genre, je suis quelqu'un de cœur, quoi. Alors, je me dérangeais. Je ne voyais pas ma famille, mes frères, mes sœurs. Je disais, mais il y a l'enlèvement qui se passe. Et personne ne voyait. La petite fenêtre qui était ouverte, il y avait des hommes qui partaient. Et je m'inquiétais, je cherchais mon petit garçon, mon petit Seth qui était là. Je cherchais, je faisais un effort pour prendre le petit... le projeter vers la petite fenêtre qui était là, afin qu'il puisse être... Je projetais le petit, j'ai vu le petit qui partait. Waouh, il s'est introduit dans la fenêtre. Et de la fenêtre sortait une gloire que tu ne peux pas imaginer, je ne sais pas comment expliquer ça. Je voyais juste une fenêtre et ça s'est refermé petit à petit. Ça venait, ça s'est refermé. Et l'ange qui était là, qui criait, l'ange criait, mortel, monte, parce que d'ici là, cette fenêtre va se fermer. Et moi, je répondais, moi, j'étais là toujours en train de voir ma maman, ma soeur, mes frères. J'étais très dérangé et je voyais derrière moi la foule, le monde était, l'ambiance, les gens buvaient. Et je voyais même des prédicateurs, de grandes personnes qu'on connaît dans ce monde, de grands prédicateurs. D'ailleurs, il n'y avait personne, tout le monde était distrait. Tout le monde était distrait. Et c'était peu de gens que je pouvais compter qui partaient. Et j'étais triste dans ma vision. Je disais, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi? J'étais vraiment triste de voir que tout,
le monde, tout ce monde-là. Je vous assure, tout ce monde-là était distrait. Et la petite fenêtre s'est refermée. Petit à petit. Et ça restait un peu que ça se referme. C'était perdu. Ça restait juste un peu que ça fermait. Je me suis lancé rapidement, je suis allé. Je suis parti. Je devais aller parce que je ne pouvais rien faire pour tous ces peuples. Pour toute cette multitude qui restait. Je partais avec les larmes aux yeux. Je partais. Et puis d'un coup, je suis entré dans cette ville. Je traversais la fenêtre. Waouh! 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 Il y a une ville que tu dois voir. Il y a vraiment une ville que tu as besoin de voir. Il y a vraiment quelque part, il y a quelque part que tu as besoin de voir. Mon frère, je vais te parler. Il y a quelque part où tu dois voir. Donc je peux juste expliquer, mais je manque de mots comment expliquer. C'était comme si j'étais entré dans la lampe. Tu vois, la lampe, des petites ampoules jaunes et blancs là. Donc lorsque j'ai quitté ici, il y avait l'obscurité partout. Mais je partais vers la fenêtre. Au fur et à mesure, je m'approchais de la fenêtre. Et c'était comme si j'entrais dans un projecteur, dans une lampe en fait. Je suis entré, la lumière que même la lampe ni les projecteurs ne peut illuminer comme ça. Et j'ai traversé cette... J'ai sorti de l'autre côté. Oh... C'était tout en or, tout en or, tout en or. Je me suis retrouvé dans cet endroit où c'était comme un parking, c'était comme un arrêt de bus. Et tous ces peuples qui étaient arrivés là, chacun devait partir à sa destination. Alors, il y avait toutes sortes de transports. Il y avait des voitures, il y avait des vélos, il y avait des vaisseaux, il y avait des Vespa, il y avait des avions. Ceux qui prenaient des avions, ceux qui prenaient. La ville était tellement beau. Et la personne, l'ange qui criait, disait, c'était pas encore la ville, mais il fallait encore avancer pour arriver vers la ville. Je voyais, je prenais, c'était comme si, on voyait ça, comme des soucoupes volantes. Comme un vaisseau, je m'apprêtais pour rentrer. Et la personne qui disait, immortel, ce sont des choses qui arrivent. Et la vision s'est arrêtée là. Oh, je regrettais, je suis retourné dans mon corps, l'esprit revenu sur moi. Oh, je pouvais, j'avais tellement besoin de continuer et voir ces merveilles, cette vie merveilleuse, et voir cette beauté. Que le mot beauté n'est pas suffisant pour expliquer. C'était waouh. C'était waouh. Mais il y avait peu de gens que l'on pouvait compter. Et ma vision s'est arrêtée là. Oh, je me suis réveillé, je dis Seigneur, que veux-tu Dieu? Que veux-tu dire? Les temps sont passés. Je vais dire juste trois autres. Et un jour, je venais de mon église, je venais du culte. Je suis revenu de la maison et je suis revenu chez moi. Je ne sais pas, je faisais quoi. Comme j'ai toujours l'habitude de travailler sur mon ordinateur, j'ai fini mon travail et j'ai retourné chez moi. Et cela me passe. Cela se répète presque les mêmes heures. J'ai l'habitude, on a l'habitude de prier chez nous à 3h, 4h. Déjà, moi et ma famille, on prie déjà à 7 heures. Alors, arrivé à 7 heures, comme d'habitude, on priait. Et après la prière, le Seigneur me fait encore grâce de voir. Et j'ai vu cette fois-ci les anges descendre du ciel. J'ai vu deux anges qui sont descendus. Je les voyais descendre. Et alors, les anges organisaient, je voyais des lignes. De queue comme ça, de queue. De queue, très longue queue. Donc de queue et de queue, de queue. De gens organisés en ligne, tout bien organisé. Une grande queue, très longue. Et ça venait de loin, ça partait. Je voyais, on était tous en ordre.
Sur la grande ligne, on était tous en ordre. Et les anges qui venaient. Et je voyais, chacun était là en train d'attendre. Et je vis les anges qui sont descendus. Il y avait deux, ils étaient au nombre au moins de quatre. Les deux sont restés en train de contrôler. Et les deux marchaient. Alors, ils arrivaient. Ils marchaient devant les gens qui s'étaient organisés, devant la queue qui était là. Et ils remettaient des habits. Je vis des habits tout blanches. Donc, de robes en blanc. Et c'était vraiment très brillant. Donc, ça brillait vraiment. Et les anges qui venaient remettaient les habits. Remettaient des robes à chacun. Ils étaient en train de remettre des robes. Et moi, je me demandais, mais Seigneur, ça sert à quoi? Et personne ne me répondait, ni l'ange qui était là ne m'avait répondu. Et je cherchais à savoir, mais ça sert à quoi? Et arrivé, l'ange est arrivé à mon tour. Et je vis, c'était une robe qui restait entre ses mains. Mais je voyais sur la queue, il y avait ceux-là qui recevaient des robes, des habits, et les autres qui ne recevaient pas. Mais je me demandais pourquoi les autres reçoivent et les autres ne recevaient pas. Mais la queue était là, tout le monde était là. Et arrivé à mon tour, je vis l'ange se tient devant moi. Avec une robe à la main, avec cet habit blanche, cet habit entre ses mains. Et il y avait une personne à mon côté, nous deux, et moi et la personne qui était à mon côté, on avait tous deux le regard autour de l'unique robe qui était restée. D'un coup, l'ange voulait étendre sa main comme ça pour me remettre ça, et la personne qui était à mon côté a sauté sur l'habit pour prendre, et j'étais en train de lutter contre lui pour reprendre ça. Je luttais, je ravis la robe qui est entre ses mains, je dis, ça m'appartient, ça c'est à moi. Et je voyais la plus grande foule qui était là. Un plus grand nombre de gens n'ont pas pu avoir ça. Il y avait juste des gens qu'on devait compter, quelques éléments à compter. Donc des personnes qu'on pouvait compter qui avaient cette robe. Et j'ai demandé à l'ange qui partageait, j'ai demandé, et à quoi ça sert tout ça là? Et il me dit, ne demande pas, porte. Je pris la robe, je mue, c'était tout blanche. Je mue la robe. Dès que je mis la robe, et je pouvais me sentir très souple, comme si je n'avais plus mon corps sur moi. Je pouvais bondir, je pouvais sauter. Je sautais, je disais, oh, la robe rendait souple. Et l'ange dit, oui, c'est cette robe ici qui... On est déjà descendu pour partager la robe. C'est ça que vous devez porter pour l'enlèvement. Et l'enlèvement est déjà là, c'est déjà là. Tout ce que tu vois qui porte cette robe, ce sont ceux-là qui seront enlevés. Et tous ceux qui n'ont pas cette robe n'auront pas accès à l'enlèvement. Oh, je voyais les gens qui pleuraient. Et je vis ceux qui avaient la robe qui criaient. Et où je réussis la robe. Les gens étaient contents de la robe. Et ils me disaient, garde bien ta robe. Garde bien ta robe. Car c'est avec cette robe. C'est avec ça que tu seras enlevé sans cette robe. Tu seras enlevé sans cette robe. Tu ne seras jamais enlevé. Et la vision s'est arrêtée là. J'ai cherché à savoir, Seigneur, c'est quoi toutes ces choses? C'est pourquoi? Pourquoi je ne fais que voir ces choses? Toutes ces choses que je fais que voir, ces visions, je vois. Et dernièrement, et ça se répétait plus, ça venait. Et ça venait, chers frères, je vais vous dire, ce ne sont pas des choses qu'on pense. Et chaque fois que je vois ça, ce sont des moments où je pense vraiment même pas avoir ça. Et je ne veux pas ça parce que ça fait trop peur. Alors dernièrement, je vis quelque chose de très... Dernièrement, c'était vraiment, je n'ai pas juste vu, mais je pouvais vivre ça. Dernièrement, je pouvais vivre et sentir ce qui s'est passé. Je préparais mon concert, c'était le mois passé, je préparais mon concert. J'étais dans des promotions pour un concert que j'ai nommé Angola Doll avec mes amis, mes collègues musiciens. Et je me préparais. D'un coup, il y a un frère à moi, un frère dans le Seigneur,
un ami, un frère qui m'appelle, qui me dit, Immortel, il y a, j'ai vu une pub à la télé où on dit que le frère Michel, quand j'en profite à saluer, le frère Michel Baqueta, qui devait faire un concert aussi à Luanda, qui devait venir alors. Ah ouais. D'un coup, les frères m'ont fait signe, donc le frère Michel est venu, m'a fait signe. Alors je devais aller le voir, le rendre visite. Je me suis vu avec le frère Michel. Et alors, comme il préparait son concert, je devais accompagner, étant qu'un ami, un frère, qui venait d'arriver dans mon pays, alors je devais accompagner, porter juste mon petit soutien à ce travail qu'il faisait. Alors, on était tout le temps avec lui, on avait de petits projets qu'on était en train de faire. On était en train d'enregistrer aussi quelques chansons. Une chanson qu'on a chantée ensemble, une chanson à lui et une chanson à moi. On avait des petits projets qu'on était en train de faire. Juste ce travail qu'on a de notre Seigneur. Alors, il a fait son premier concert et on devait revenir pour le deuxième concert parce qu'il avait deux concerts. Et le dernier concert, on s'est promené, on marchait. On partait dans des églises pour annoncer et parler. On était très fatigués parce que c'était vraiment un grand travail. Et moi, j'étais au volant et je conduisais. Et le frère Michel était à côté. C'est que je vous parle, le frère était là. C'est quelque chose que je parlais. On a parlé, mais on a vu qu'il n'a plus eu le temps de parler. Et le frère Michel Baqueta était là à côté. Et moi, je conduisais la voiture. On marchait. Donc, on était très fatigués. On était vraiment très fatigués parce qu'on venait de marcher dans des églises. Alors, il fallait revenir le soir à son concert. Et alors, on était très fatigués. On conduisait. Et j'écoutais les frères Michel comme s'il blaguait. Il a dit, ah, il a dit en lingala, il a dit, ah, Yesuyaka, tous les mipeto qui n'avaient sous paiement. Il a juste dit comme ça. Donc, il a dit ça comme si quelqu'un qui était vraiment fatigué, il a dit, ah, Yesu yaka de chato kendeto lembe kututo pe manabiso. Yaka Yesu. Et moi, je conduisais, il a dit comme ça, et moi j'ai dit, ah. Et il me regarde, et il dit, ah, Immortel, oboi Yesoya, toke pe manabiso oboi. Moi j'ai dit, non, j'ai pas refusé. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté Lingala, donc le frère s'est exclamé, il a dit, ah, Jésus revient, on est déjà fatigué. On a besoin de se reposer, trop de travail, on est fatigué, reviens Jésus. Et moi je dis, ah, il dit, ah, frère, tu veux pas que le Seigneur revienne nous prendre pour qu'on se repose? Moi je dis, non, c'est pas que je ne veux pas, mais ta façon de dire, bon, en fait, Jésus dit comme ça, je dis, ah, bon, je ne veux pas refuser, mais ta façon de dire, c'est comme quelqu'un qui s'est vraiment trop fatigué. On a ri, on a souri. On a laissé tomber, on a continué notre travail, on devait aller à la télé, on avait des émissions par-ci par-là, on devait passer. On a oublié et c'est passé. Chers frères, c'est passé. Ce n'est même pas quelque chose qu'on a imaginé. Ce n'est même pas un débat, un moment de partage. Non, non, non. C'est juste qu'on était vraiment... Et vrai, c'est vrai qu'on était fatigués. On venait de marcher, de se promener, on était vraiment fatigués. Le frère avec donc il s'est exclamé, il a dit juste, ah, Seigneur, viens. Et moi j'ai dit, ah, et je n'ai rien dit de plus, et je n'ai rien, je n'ai pas trop parlé. Alors on est là, on sommes allés au concert, on a fait notre compte, et j'ai accompagné les frères et c'est fini. Je suis revenu chez moi, j'étais très fatigué. Alors, je suis monté sur mon lit, je dormais, je priais juste un peu, je me suis endormi. Et c'est arrivé à l'heure de la prière, qu'on a l'habitude de prier. C'est arrivé à l'heure de la prière. Et j'écoutais ma femme qui se réveille. Elle s'est réveillée, elle a commencé à prier. Gret s'est réveillée, elle a commencé à prier. Parce qu'on prie toujours à 7 heures, à 3 heures, 4 heures. Donc à 7h, à 3h, on prie. Elle s'est réveillée, elle a commencé à prier.
Je l'écoutais, elle priait. Et moi, je me suis réveillé. Je devais aussi me réveiller pour qu'on entre en prière et commencer à prier. Mais tellement j'étais fatigué. Je me suis réveillé comme si je voulais m'asseoir. Et je me suis penché contre le lit. Et bah, je faisais un effort pour me réveiller. Et j'attendais juste un peu que le sommeil passe un peu et que j'entre en prière. Mais je l'écoutais, elle priait. Elle a commencé à prier. Elle priait. Pendant qu'elle priait, et moi j'étais là, je me disais, je vais me réveiller. D'un coup, le Seigneur me fait grâce. L'Esprit de Dieu m'amène. Et les yeux s'ouvrent et je vois. Et je l'écoutais, elle priait. Je ne dormais pas, Quelqu'un qui dort ne peut pas écouter. Je ne dormais même pas. Je peux dire que je dormais si je n'écoutais pas, mais j'écoutais, elle était en train de prier. J'étais en train de l'entendre, vraiment comme ça. Je l'écoutais, juste et je manquais de force pour que moi aussi j'entre en prière. Alors j'attendais que le sommeil diminue un peu, que j'entre. Mais d'un coup, je vis. Je voyais comme si je me suis réveillé. Et elle continuait à prier, je voyais, j'étais à ma fenêtre, je vis, au moment où je vois, mais j'écoutais aussi qu'il priait, qu'elle était en train de prier, elle priait, et moi je voyais, je vis, je me suis levé, je suis allé vers ma fenêtre, et je vis à l'extérieur la terre, l'espace, tout le monde était agité, tout le monde était agité, le sang fouillait de ci, de fouillait de là, fouillait de tout le sang, c'est très bien. Partait de tout le sens, tout le monde était en train de fouiller. Alors moi je demande, je voulais la demander, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois les gens, tout le monde est agité. Tous sont agités à l'extérieur. Hier quoi? Elle continuait toujours à prier. Et sa prière n'était pas dans ma vision, c'était physique. Et je cherchais à voir ce qui s'est passé. Et j'écoute, elle me répond, je ne sais pas. Mais vois, toi qui es à la fenêtre, vois ce qui se passe. Je voyais tout ce monde qui fouillait. Mais les gens regardaient comme ça. Et les gens essayaient de voir, regardaient comme s'il y avait quelque chose qui descendait. Moi, j'ai dit, non, je dois sortir dehors pour voir ce qui se passe. Je sors. Dès que je sors, je lève mes yeux. Je voyais, il y avait quelqu'un qui descendait. Ah, waouh. Je ne pouvais pas voir c'était qui. Mais il y avait juste une personne qui descendait. Tout le monde. Je ne pouvais pas dire que c'était Jésus, mais je savais que c'était lui. Personne m'avait dit, je vis, il descendait. La gloire impossible. Personne n'a crié, personne n'a bougé. Tout le monde était collé à le voir comment il venait. Tout le monde était agité. Donc, je ne sais pas comment expliquer ça. Il est arrivé à un niveau, il s'est arrêté. On voulait voir qu'est-ce qu'il faisait. D'un coup, je vis les âmes qui montaient. Waouh, waouh. Ça, je ne voyais pas. Ça, je pouvais sentir. Je pouvais sentir ça. Et les âmes montaient. Ça, waouh. Je vis les gens qui montaient. C'est transformé. Montaient, c'est transformé. Et moi, je disais. Et moi, j'attendais tant qu'un bon chrétien, tant qu'un chrétien, un musicien, un serviteur de Dieu. Et j'attendais aussi mon tour. Et je voyais que je ne montais pas. Mais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Waouh, 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 waouh. Et je voyais, je courais rapidement. Je me suis toujours inquiété pour mon petit garçon, pour voir si les petits pouvaient monter. Il ne montait pas, ma femme était là, ne montait pas. Elle continuait à prier. Et je voyais les gens qui montaient. Je faisais des coups de fil partout pour savoir. Et je voyais. Mes chers frères, c'est affreux. Une forme d'isolation que tu peux pas voir. Rester à ces jours, tu peux pas supporter ça. Je pouvais sentir la douleur de la personne qui ne montait pas et qui était restée. Et je commençais à pleurer. Je pleurais. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Mais je ne montais pas et j'écoutais la voix. J'écoutais, je fis comme si le film s'était ouvert et j'écoutais la voix qui me parlait. Une personne qui me parlait, je vis l'ange, et qui me parlait. Lorsqu'il me parlait,
Et je vis la vision de moi et Michel en voiture. Et l'ange qui dit, tu blagues, immortel, tu blagues. Michel est en train de parler, cher Saint-Esprit. Michel est en train de parler. Oh Seigneur, viens, nous sommes fatigués. Viens nous prendre. Et toi, tu réponds, quoi? Parce que j'avais rien dit. J'ai juste dit, ah, Michel m'a demandé, mais pourquoi tu as dit, hein, tu veux pas que Dieu, le Seigneur vienne? Moi, j'ai dit, non, je n'ai rien dit, mais ta façon de parler. Donc, c'est juste là que je parlais. Donc, on n'a rien parlé. Et ça, c'est comme si ça m'a créé un problème. Et là, je me dis, Michel a dit, Seigneur, viens nous prendre, nous sommes fatigués. Et toi, tu dis, hein? Donc, tu ne veux pas que je vienne, mais sache-le que moi, je suis à la porte. Réveille-toi, va dire à ces bêtes. Tu resteras. C'était pas Michel qui avait parlé, c'était moi. Je suis à la porte. Je suis à la porte. Réveille-toi, va parler. Je suis à la porte et je ne vais pas tarder. Mes chers frères, c'était une douleur de voir. Tu ne peux pas supporter ça. Tu peux pas supporter. Je suis réveillé tous les matins. Je suis allé voir Michel à l'hôtel où il était. Je sais un peu de parler. Je voyais les saints monter. Je voyais la gloire. Je voyais cet homme glorieux dans la gloire. Il est descendu. Waouh, waouh. Je t'en prie, je t'en supplie. Il ne faut pas manquer ces jours. Il ne faut pas manquer. Ça sera une douleur impossible. Je puis sentir cette douleur. Je puis sentir la douleur d'une personne, de cette personne qui a manqué l'enlèvement. Je puis sentir ça. C'était affreux. Je puis sentir. Je ne dormais pas. Je ne dormais pas car je pouvais sentir. Je pouvais écouter ma femme en train de prier. Alors aujourd'hui, ce matin, je n'ai jamais eu le courage. Je me suis réveillé, je devais faire une vidéo. Je devais parler de ça. Mais ce matin, je suis réveillé. Ce matin, oh, je voyais. Le monde était en mouvement. Je voyais la télé fonctionner. Ça, je ne dormais pas, je voyais. Et je vis. Ça s'est passé à la seconde. Ça s'est passé, je ne peux pas dire même la seconde. Ça s'est passé à la seconde. Fou. Je vis ma maman qui était là et qui dit, l'enlèvement vient de se passer. Cher frère, je ne suis pas venu ici pour plaisanter, je n'ai pas besoin de parler. Je tremble et je pleure. Je tremble, je ne peux pas t'expliquer ce que je sens. J'ai une sorte de boule au moment où je parle. Tu ne peux pas imaginer ce que je ressens. J'ai les larmes qui coulent à moi et je ne peux pas t'expliquer ce que je ressens. Je fuis. Et l'enlèvement s'est passé. Personne ne s'est rendu compte. Et les gens discutaient de tous les coins. Personne ne pouvait croire. Personne ne pouvait croire. Et les gens se sont disparus. Et les âmes sont parties à la seconde. Et c'était rapide que personne ne pouvait imaginer que ça allait se passer. Et j'ai vu à la télé. Partout, personne ne s'est rendu compte de ce qui s'est passé. Et je vis ma famille. Dans toute ma famille, il n'y a qu'une personne qui est montée. Ma sœur, elle s'appelle Monique. Il n'y a qu'une personne. Et toute ma famille est restée. Ah ouais. Tu pouvais naître dans une famille chrétienne. Je vous assure que ma famille est chrétienne. Mais je vis dans ma vision. Toute ma famille est restée. Toute ma famille est restée. Et moi, j'étais là. Et moi, je ne suis pas parti. Et y compris moi-même, je suis resté. Y compris. Je suis venu te dire ça pour te parler de quelque chose. Et c'est un message que Dieu m'a fait voir. Et j'ai vu dans ma famille une seule personne qui est partie, ma sœur et son petit bébé.
sa petite fille, une seule personne qui est partie dans ma famille. Mais je cherchais à savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Et je vis, Dieu m'a mené dans l'église. Je suis entré dans une église. Et l'église était remplie, cher Saint-Esprit. L'église était remplie de la foule, une très grande foule dans l'église. Une très grande foule dans l'église où personne ne s'est rendu compte que l'enlèvement vient de se passer. Et je vis le pasteur qui discutait. Non! 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 L'enlèvement n'est pas encore passé. Non! Et les gens qui disaient, l'enlèvement vient de se passer. Il y a eu le pasteur qui est en train de discuter. Et l'esprit me disait, tu vois, dans l'église, donc ceux qui sont partis, une église de à peu près 10 000 personnes, mais ceux qui sont partis, au moins, étaient 7. S'il faut encore mettre plus, 7 ou 10. Et je voyais dans mon quartier, le maman du quartier, qui cherchait à me dire, à me critiquer. Et je voyais ma maman à moi qui me disait, je te confirme et je te dis, l'enlèvement est passé. Waouh, je ne croyais pas. Et je voyais mes frères qui pleuraient. Je voyais des frères, des grands pasteurs, des pasteurs renommés, qui n'arrivaient pas à croire et accepter que l'enlèvement est déjà passé. L'enlèvement est déjà passé parce que personne n'était pas monté, il n'était pas parti. Il y avait un petit nombre de gens qui partaient, qui sont partis. Alors, il y avait ma nièce qui était dans la même maison que ma soeur. Lorsque ma soeur montait, elle prenait son téléphone rapidement. Elle prenait son téléphone rapidement pour filmer. Elle a filmé juste quelques petites secondes. Ah, waouh! Ma soeur montait avec son bébé. Elle a pu filmer rapidement. Waouh! C'était dans donc quelques secondes. Et je demandais comment tu as pu filmer. Elle a dit non, j'avais mon téléphone. Je voulais prendre une photo. Lorsque c'est arrivé, par hasard, mon téléphone a pris cette image. Et l'esprit me dit c'est comme ça que ça va se passer. Et même l'église ne comprendra pas. Même l'église ne se rendra pas compte. Parce que l'église dort. L'église, le peuple des dieux est distrait. Nul pasteur, j'ai vu le grand pasteur, ce que nous appelons grand. J'ai vu une foule dans l'église. Nul église s'est rendu compte. Mes chers frères, je suis venu parler avec vous. Je suis venu parler ces messages de la part de Dieu. Je n'ai pas voulu voir ça. J'ai trouvé juste grâce et faveur devant le Seigneur. J'ai trouvé juste grâce de voir ça. Je me suis réveillé en train de trembler avec les larmes aux yeux. Je ne savais pas par où commencer, ni comment commencer pour parler de ça. Parce que je sais devant quel genre de peuple que je suis. Le peuple est devenu incrédule. Il n'y a personne qui veut croire. Mais je n'ai pas besoin aussi que tu puisses croire. Tu peux croire ou non, mais le plus important, tu as écouté. Le plus important, peut-être que c'est ça que c'était. C'était ça ma mission, c'était ça mon travail. Je ne sais pas ce qui va se passer. Après avoir dit ces messages, l'enlèvement est là, à la porte. L'enlèvement est à quelques temps. L'enlèvement est déjà à la porte. Le Seigneur m'a fait grâce de vous dire, de voir ces choses pour venir parler. Il y a plein de choses que je vis. Je vis ça à plusieurs reprises. Mais j'ai juste pris quelques détails, quelques petits résumés que je suis en train de résumer. Le Seigneur arrive. Et l'enlèvement va se passer d'ici là. Je vis cette fois l'enlèvement. Je vous assure, c'est affreux. C'est vraiment une désolation de manquer ces jours. C'est vraiment triste de manquer. J'ai pu sentir cette douleur de manquer l'enlèvement. Je ne sais pas, je veux juste dire à quelqu'un, ne manque pas ces jours. Fais un effort. Toi qui as pu crier, toi qui as pu prêcher, toi qui as pu chanter tout ce temps, toi qui sais pas, qui a pu se sacrifier dans des chaînes de prière. Imagine-toi que tu manques ces jours. Qu'est-ce que les gens te diront? Dans ton quartier, te demanderont, l'enlèvement s'est passé et toi, tu es resté. Tu diras quoi, toi serviteur, toi prédicateur de l'évangile? Tu prêcheras quoi? Toi qui s'appelle célèbre, toi fameux pasteur,
toi star, pasteur star, musicien chrétien star, toi qui s'appelle star, célèbre pasteur, célèbre musicien, imagine-toi que ces jours arrivent, que ces jours d'enlèvement se passent et que toi tu restes. Tu diras quoi à ces peuples que tu as tant chanté, prêché l'évangile? Tu diras quoi? Quelle prédication que tu amèneras après avoir prêché l'enlèvement? Je te garantis que ton succès prendra fin. Tu ne prêcheras plus rien car tu seras dans la honte totale. Tout le monde verra que tu es un faux chrétien parce que tu as manqué l'enlèvement. Tout le monde comprendra ton identité car tu n'as pas été enlevé. Frères et sœurs, laisse-moi partager avec vous ces moments. L'église est distraite, je vis dans l'église. Le chant, une très grande foule, mais les gens qui sont partis étaient vraiment comptables qu'on pouvait compter. Mais la foule et le culte continuaient comme si rien ne s'était passé. Une très grande foule qui est restée et personne ne pouvait se rendre compte que l'enlèvement était passé. Et l'Esprit de Dieu me dit, l'ange qui était à mes côtés me dit, regarde ce qui va se passer. Ni l'église se rendra compte parce que l'église est distraite. L'église est distraite. Ni ces grands hommes de Dieu que tu es en train de voir n'iront parce qu'ils sont distraits. L'église est distraite. L'église ne prêche pas l'enlèvement. L'église ne prêche pas. L'église est en train de rêver. Les serviteurs se sont mis dans des choses inutiles, dans des futilités, dans des polémiques, dans des choses qui ne donnaient pas la vie, dans des choses qui ne réveillent pas les peuples de Dieu, dans des choses qui n'amènent à rien. C'est là où on s'est concentré. L'iniquité. Le péché a accru à un niveau que l'église n'a plus, a perdu son identité. L'église a perdu son identité. Laisse-moi vous dire ce matin que l'enlèvement vient. L'enlèvement est déjà là. À quelques jours, l'enlèvement est déjà là. L'enlèvement va se passer d'ici là. Le Seigneur revient déjà. Je suis à la porte, dit le Seigneur. Je suis à quelques jours, je suis à quelques mètres de l'enlèvement. Je reviens, dit le Seigneur. Que seras-tu après avoir chanté, après avoir prêché? Ô Église du Seigneur, réveillez-vous. Nous ne sommes pas appelés pour hériter toutes ces choses. Vous êtes en train de s'entretuer pour des choses qui resteront demain. Demain tu mourras, demain tu seras enlevé. Il y a des choses qui ne vaut rien, des choses qui n'ont aucune importance. Et que tu es en train de donner trop d'importance, mais à des choses importantes, tu ne prêtais pas attention. Ô Église du Seigneur, laisse-moi ce matin partager avec amour. C'est avec amour que je partage avec vous. C'est avec tout cœur que je partage avec vous ces messages. Je n'ai pas voulu voir ça. Je trouvais juste grâce. Et j'ai toujours eu peur de parler. Mais aujourd'hui, je me suis dit, je dois parler parce que je ne sais pas si c'est juste pour ça que le Seigneur m'a appelé. Laissez-moi partager avec vous. Avec tout cœur, avec les larmes au cœur, laisse-moi vous dire, l'enlèvement est déjà là à la porte. Je voyais les hommes monter, je voyais les gens monter, mais l'église était remplie de gens qui ne partaient pas. Mais à quoi sert d'être chrétien? À quoi sert? Quelle sera l'importance de l'église après l'enlèvement? À quoi sert d'être chrétien si tu ne seras pas enlevé? À quoi sert de jeûner des prières, de parler à l'homme, des compositions, des chants, oh musiciens chrétiens? Vous avez rejeté l'évangile, vous avez rejeté, vous dormez l'église du Seigneur d'or, au prédicateur, tu pèches, tu fais tout ce que tu veux, et tu es en train de dire qu'il ne reviendra pas aujourd'hui. Laisse-moi te dire, le même Dieu, le même Seigneur qui s'est révélé aux gens, c'est lui le seul et le même qui continue à se révéler pour parler à son église. Laisse-moi vous dire ce matin, je me repartageais avec toi et te dire, l'enlèvement est déjà pour très bientôt. Alors réveille-toi. Ne perds pas ton temps. Ne sois pas parmi ceux-là qui vont rester. Ah, oh, waouh, il faut sentir la douleur. Je sentis la douleur de rester après tout ce grand sacrifice, après cette grande bataille, après avoir été chrétien longtemps, rester. Ah, oh, ça fait très mal. Très mal. Tu ne peux pas supporter.
supporteras-tu la tribulation? Tu ne peux pas supporter. Ah, oh. Fais un effort. Réveille-toi. Ce matin, je suis venu partager avec toi. Arrête toutes ces histoires que tu perds du temps. Prédicateur, prêche l'évangile, arrête de faire plaisir au peuple de Dieu. Tu veux satisfaire, faire plaisir à l'église pour maintenir cette foule qui ne sera pas enlevée demain. Pourquoi? Tu veux faire plaisir, prophète, docteur, apôtre, évangéliste, pasteur. Que prêches-tu aujourd'hui? Tu veux faire plaisir à l'église? Tu veux prêcher l'évangile, la prédication qui fait plaisir au peuple de Dieu, sans pour autant leur parler de choses vraies. Parle à ton église à la repentance, car la repentance est la robe. La repentance est la sainteté. C'est la repentance, la sainteté. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, dit la Bible. Le Saint-Esprit en nous nous permet d'être enlevé. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, c'est lui-là qui nous permettra d'être enlevé. Mais le Saint-Esprit ne peut pas habiter en nous tant que le péché a encore place en nous. Alors, pasteur, tu dois enseigner à ton église, tu dois parler à ton église la vérité. Dis à ton église la vérité. Tu passes tout le temps à prêcher autour de la bénédiction, la délivrance. Tu vas délivrer ces peuples, tu vas bénir ces peuples jusqu'à ce que ces peuples manquent l'enlèvement. Jusqu'à ce... Mais que feras-tu? Que ce travail que tu feras en vain? La bénédiction, oui, c'est bien. La délivrance, oui, c'est bien. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque la vérité vous affranchit, mes chers frères, automatiquement vous êtes délivrés. Tu ne prêches pas la vérité, tu ne parles, tu veux délivrer, tu délivreras ces peuples avec quoi? Juste avec la vérité, car c'est la vérité qui affranchit. Oh, tu veux caresser ces peuples avec des prédications, avec des théologies, tu as étudié des théologies. Tu parles, tu utilises des termes, des théologies. Toute cette connaissance que tu as acquérie, c'est pas mal. Mais tu resteras avec tout ça. Et tu vas sentir la douleur de rester. Des années, licencié en théologie. Mais tu arrives à ton église, tu ne veux pas dire la vérité. Tu arrives à ton église, tu caches la vérité. Ton prédication préférée, c'est juste, le Seigneur va bénir. Oh, recevez la bénédiction, recevez la délivrance. C'est pas mal, c'est la prédication. Mais l'église n'a pas juste besoin de ça. Imagine-toi, après toutes ces histoires, prêcher l'église du Seigneur. Prépare les corps du Christ et l'église doit être enlevée. Ça ne sert à rien si ce peuple reste. Ça ne sert à rien, toutes ces démonstrations. La Bible dit, ils viendront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché à ton nom? N'avons-nous pas chassé le démon à ton nom? N'avons-nous pas délivré à ton nom? Il dira oui, mais je ne vous ai pas jamais connu, retirez-vous de moi, prédicateur de l'iniquité. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais lorsqu'ils demanderont, c'est parce qu'ils ont fait des miracles, parce qu'ils ont prêché, parce qu'ils ont délivré, parce qu'ils ont prêché. Mais ils n'ont pas prêché, ils n'ont pas connu la vérité, car la vérité c'est Christ. Je ne vous ai jamais connu, c'est ce qui va se passer. Ça va se passer pour très bientôt, archibishop, avec des patentes qu'on appelle ici chez nous. Avec trop de grades, tu étais évangéliste et tu deviens pasteur. Tu quittes pasteur, maintenant je vais être apôtre. Maintenant je suis prophète. Tout ça là, c'est bien, c'est pas mal. C'est le Seigneur qui a établi tous ces ministères dans l'église. Mais à quoi ça sera? Ça sera quoi si tu manques l'enlèvement? Et tu prêcheras qui là après? On le saura d'ici là. D'ici là, on saura ton identité. Quand tu resteras, et tout le monde saura que tu étais un faux, parce que tu resteras. Et dis-moi, tu diras quoi? Parce que tout le monde découvrira.
On va découvrir que, même malgré ta célébrité, tu étais un faux parce que tu as manqué l'enlèvement. Un vrai ne peut jamais manquer l'enlèvement. Toute l'église, corps du Christ, sera enlevée. L'église sera enlevée. Et toi, star pasteur, star musicien, si tu restes avec ta carrière, qu'est-ce que tu chanteras après? Oh, le Seigneur m'a laissé parce qu'il a trouvé bon que je reste pour continuer à prêcher. Menteur, menteur. C'est ton péché qui a fait que tu restes et que tu ne sois pas enlevé. Tu vas chercher à mentir l'église de Dieu après parce que l'église sera déjà enlevée. Qu'est-ce que tu diras après? Oh, le Seigneur a laissé quelques prédicateurs pour rester prêcher. Menteur, tu es resté à cause de tes péchés. Tu es resté parce que tu es un faux. Alors réveille-toi, prêche l'évangile. C'est pour ça que nous sommes appelés. La bénédiction nous suivra. Nous sommes ici sur terre pour manger le meilleur de cette terre. La bénédiction nous appartient. L'héritage, l'or, l'argent appartient à notre Dieu. Mais le chemin le plus compliqué, c'est le peuple qui sera béni. Mais seras-tu enlevé après? Seras-tu avec le Seigneur après? Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui sont en train d'insulter. Mais on se rendra compte après. Ceux qui prêchent la vérité, ceux qui ne prêchent pas. Et toi, chrétien, et toi, fils de Dieu, fille de Dieu, qui passe tout ton temps en train de sillonner des églises, tu cherches quoi? Tu ne veux pas qu'on te prêche la vérité. Il suffit qu'on parle la vérité, tu quittes l'église. Tu veux qu'on te dise juste... Ah, sois béni, tu auras le mariage, tu seras béni, oh, tu auras des millions. Là, tu cries, tu dis amen. Mais lorsqu'on dit arrête ces péchés que tu es en train de faire, parce que tu manqueras l'enlèvement, tu quittes l'église. Tu veux qu'on te prêche. On te caresse avec des prédications, c'est ce que tu veux. Tu veux qu'on puisse te faire plaisir. Je parle à ce peuple du Gabon. Je parle à ce peuple du Cameroun. Je parle à ce peuple de la RDC. Je parle à ce peuple d'Angola. Je parle à tous ces peuples africains. Tous ces peuples du monde entier. En France, en Europe, en Belgique. L'enlèvement est à la porte. Je ne m'arrêterai pas de crier. Je n'ai pas honte de vous qui allez m'insulter et me critiquer. Je vais crier à haute voix. L'enlèvement. Le Fils de l'homme est à la porte. Répondez-vous. Réveille-toi, l'église du Seigneur. Réveille-toi, car il revient bientôt. Gagne l'argent. Gagne ta richesse. Ah, tu sauras la douleur de manquer l'enlèvement. Ah, tu sauras la douleur. Ah, c'est un prix du sang. Tu sauras la douleur. La douleur. Alors fais un effort. Toi qui cherches des délivrances d'église à l'église. Toi qui cherches du mariage, de l'argent. Tu passes ton temps. Crois au Seigneur. Vous me servirez, je vous bénirai, dit la Bible. La bénédiction est liée à la vérité. Lorsque tu sers le Seigneur en vérité, la bénédiction te suivra. Tu n'as même pas besoin qu'on te prêche. Tu n'as même pas besoin qu'on te le dise. Il suffit de se convertir, de servir automatiquement le Seigneur. La Bible dit, vous me servirez et je vous bénirai. Tu n'as pas besoin de te forcer pour marcher de l'église à l'église. Chercher la bénédiction. Tu resteras avec tout cet argent. Tu resteras. Tant que nous sommes sur cette terre, nous vivrons, nous hériterons, nous marcherons avec de belles voitures, nous marcherons. La bénédiction nous appartient. Oui, je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas être béni. Tu seras béni, tu dois être béni car tout appartient à notre Seigneur. Mais réveille-toi. Avec ta bénédiction, réveille-toi. Avec ton mariage, avec tout ce que tu fais. Tu manqueras l'enlèvement. Prédicateur, prêchez l'enlèvement, car c'est déjà à la porte. Prêchez l'enlèvement. Prêchez l'arrivée du Seigneur, car il est à la porte. Chanteur, chantez l'enlèvement. Chantez, vous ne faites que chanter des danses. Que prêchez-vous? Vous avez mêlé l'évangile avec des choses. Vous êtes détourné de la voix du Seigneur. Oh, revenez, serviteurs. Il y a des serviteurs qui divorcent, oh, qui n'ont plus peur de pécher et qui prennent la Bible pour en faire des couvertures
Ils ont déjà des versets bien préparés. Vous n'avez plus peur du péché. Oh, le Saint-Esprit n'est plus avec vous. Vous n'essayerez jamais à l'aimer. Prédicateur, toi qui as la chose des dieux, toi qui sens encore le Christ en toi, réveille-toi. Parle, parle. Même si on t'insulte, même si on t'insulte, même si on te parle du mal, le plus important, tu as fait ton travail. Le plus important, tu as fait ton travail. Oh, j'aimerais que ça soit les derniers jours pour moi. Je me suis débarrassée, je ne suis pas... Oh, je ne peux pas t'expliquer. Je me sens trop bien de parler de ça. Même si tu vas te moquer de moi, même si tu vas parler tout ce que tu veux, même si tu peux sortir ta grande Bible pour me contredire, toi, le prédicateur qui aime contredire avec tes grandes connaissances de la théologie, mais laisse-moi te dire, je ne suis pas venu ici pour multiplier des paroles, mais je suis venu te dire que l'enlèvement est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Si tu ne te réveilles pas, tu resteras avec ta grande Bible. Et le peuple qui restera avec toi te demandera, cher pasteur, mais tu es resté pourquoi? Prédicateur de la prospérité, prédicateur de l'abondance, prédicateur de délivrance, prédicateur de, je ne sais pas, prophète de la nation. Avec toutes ces grades qu'on t'a surnommé, tu resteras et tu auras honte et tu t'enfermes. Ça sera la fin de ta carrière. On te demandera, cher pasteur, le païen te demandera, oh, mais l'enlèvement s'est passé, tu fais quoi ici avec nous? Oh, tu diras, oui, le Seigneur m'a laissé ici pour prêcher. Menteur, menteur, l'heure est là, réponds-toi. Afin que ce travail que tu es en train de faire n'aille pas en vain. Afin que ce travail n'aille pas en vain. S'il te plaît, s'il te plaît, c'était juste un message que je voulais partager. Partager, parler de l'enlèvement. L'enlèvement est à la porte. Je puis voir, le Seigneur m'a fait grâce de voir. Je n'ai pas voulu ça, mais j'ai vu ça. Si tu veux, tu peux vouloir, tu peux accepter ou pas. Mais le plus important, tu as écouté, je parlais. Je ne suis pas venu chercher du succès. Je ne suis pas venu te demander de l'argent. Je n'ai rien demandé, j'ai juste parlé. J'ai juste parlé. J'ai juste parlé. Prédicateur, corps de Christ, soit toi raciste. Tu peux être blanc ou noir. L'enlèvement, c'est pour tout le monde. Tu peux être blanc ou noir. L'enlèvement est déjà là pour très bientôt. Le Seigneur est déjà là, l'Esprit du Seigneur est en train de préparer. Il y a les anges qui préparent déjà l'Église. Il y a des robes qu'on est en train de distribuer. Le Saint-Esprit, la sainteté, pour être enlevé. Et ça va se passer à la seconde. Il y aura des grandes églises avec des foules où il n'y a que deux personnes qui sont parties. Comme je l'ai vu dans ma famille, une seule personne. Dans une grande église, sept personnes. Une église et 20 000 membres, 7 personnes. Oh, c'est triste. Alors tous ces parler en langue. Alors tous ces chaînes de prière. Alors tous ces temps que vous passez à la montagne. Le péché. Ce n'est que le péché qui fera en sorte que vous ne voyagez pas. Que vous ne soyez pas enlevé. L'impudicité. Le mensonge. Des faux prophéties. Des faux prédications. L'adultère. Toutes ces choses, elles feront en sorte que vous restez. Et c'est pour très bientôt. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. À tous ceux qui j'ai choqué, tous ceux dont j'ai choqué. Je demande pardon, mais je ne fais pas. Je fais juste mon travail. Je parlais juste. Je parlais. Je parlais juste. Je parlais de la part du Seigneur. L'enlèvement est à la porte. Le Seigneur m'a fait grâce de voir ça. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu bénisse celui qui est en train de partager ces messages. Même si tu ne partages pas ma musique, mes chansons que tu ne partages pas, mais partage-moi ces messages afin que tu puisses alerter un peuple qui dort, afin que tu puisses dire un mot à celui qui va écouter, afin que ça puisse réveiller quelqu'un. J'aimerais que ces messages circulent partout dans le monde et je parlerai toujours partout, je chanterai le Seigneur. Je vais parler avec tout cœur. Le Seigneur est à la porte, préparez son chemin, préparez vos cœurs. Préparez-vous, l'enlèvement est ici.
Merci que le Seigneur, cher Saint-Esprit, laisse que ces messages, que tu as pu montrer tous ces jours, tous ces temps, puissent traverser les cœurs de quelqu'un. Afin que ton Église, même les deux personnes que tu m'as fait voir, soient enlevées. Oh Seigneur, Seigneur, aide quelqu'un qui est en train de suivre ces messages afin de restaurer sa vie et sa marche avec toi. Seigneur, laisse que ces messages puissent traverser le cœur de quelqu'un afin que cette église soit encore restaurée. Prépare ton église. Merci, cher Saint-Esprit, pour le courage que tu m'as donné de parler. Merci. Que ces messages touchent le cœur de quelqu'un. Que même deux ou trois personnes soient récupérées pour ces grands jours de la vie. Que le Seigneur bénisse son Église. Que le Seigneur soit avec vous. Partagez afin de gagner même ne fût-ce que deux âmes pour le Seigneur.